Hey, salut à tous et à tous, bonjour! On se retrouve dans Darkest Dungeon en compagnie de Ojourjourne, Sacha Graves, Mia et de Eiki. Une équipe sans healer, une équipe full esquive, avec si ce n'est le heal de Mia, faible, mais que j'ai pris tout de même. J'ai même pas regardé avant de lancer, mais voilà. Donc on a Ojourjourne qui pourra mettre de l'esquive, on a Sacha qui peut se mettre de l'esquive et stun. On a Mia qui peut nous mettre à tous de l'esquive et nous heal et baisser la précision ennemie. Et on a Eiki qui peut nous stress heal et surtout augmenter notre vitesse pour qu'on agisse plus vite. Voilà, tout ça c'est mignon. On n'a pas de healer et le healer n'apparaissait pas dans la caravane. Du coup, on est là dans cette... j'arrive même pas à bouger, voilà. Dans cette ruine légère, 90% des pièces. Voilà. On va devoir faire ça. Donc c'est y part. J'ai pris moult bouffe quand même pour pallier au fait qu'on va manquer de nourriture. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez bien pour cette petite aventure. On est surpris dès le début. C'est formidable. Alors, je ne sais plus qui marque. C'est toi. Et ça stun aussi. 7 HP. 1. Pénible. Bon. Quitte à... Oh non. J'allais dire quitte à briser la formation. Oh, ça serait formidable. No. Oh oui. Ah oui. Oh oui. Mia. Ojourjourne ne peut pas revenir en se tenant. Mais on va se démerder. Voilà, plus de prod, tu n'es pas empoisonné. Excellent. Je l'avais dit. Oui. Oh, ok, le son commence déjà à se barrer en cacahuète, c'est formidable. Toi, tu saignes. Oh, j'aurais adoré. Tant pis. Back to the pit. Maintenant, on peut que subir du 1 et se faire marquer. Et stun, certes. Augmentons notre esquive. Alors la Mia, elle est en feu. Mia, voilà, c'est notre DPS. Bon, j'ai foutu le bordel de la formation. Parce que c'est une formation très mobile, mais qui a été surprise dès le début. Donc c'est chiant. En vrai, Mia pourrait même être derrière. Sauf pour le couteau. Ah non, elle peut le faire de partout. Mia pourrait être tout derrière. Pour que Eiki puisse bouger. Mais lui, il peut faire ça de derrière? De la place 3, oui. Oui, voilà, comme ça, il peut tout faire. C'est plus malin. Go! Des bouquins, on s'en fout. Lumière. Une chapelle, un repérage, ça tombe bien, je voulais décider entre aller à droite ou à gauche, et donc ça sera... Enfin, à gauche ou en haut, et ce sera à gauche pour éviter l'obstacle. Nous avons une pillarde qui peut donc désarmer sans problème ce petit piège. Une caisse, on va dire que la pillarde va l'ouvrir. Ah non, il y a Mia, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, Mia, bien sûr, pour trouver les antiquités. Ok, donc là, il n'y a rien. Oui, nous allons continuer à bouger. Nous allons bouger nos boules! C'est la fête aux ruines! Rien ici... Rien là, ok, il y a un combat qui nous attend ici, après c'est la route vers l'or, la ruée vers l'or même. Hop. Parfait. Jusqu'ici, on a réussi à économiser notre bouffe. Voyons si ça se répercute à cette pièce. Du stress, mais on a un stress heal, donc c'est pas trop dangereux. Ok. Du 4 à 8, ils ont 10. Lui, il a de la prot. Je peux en tuer un. Essayons. Excellent. Parfait. Un tir de dague aligné par Sacha. En toute quiétude. On pourrait attaquer, mais on va commencer à se booster notre esquive. Le plus de coups que nous ratons, que nous esquivons plutôt, c'est le plus de coups que nous n'aurons pas à soigner. Alors, on va full buff. Voilà, par exemple, ça a bien marché ici.
Voilà, elle, pour le coup, elle a beaucoup d'esquive. Et on va encore monter l'esquive avec Ojogern. Et par la suite, on va les laisser bouger. On laissera seulement Mia soigner et tout ce genre de choses. Voilà, soit un, voire deux. C'est pas ouf, mais bon. Pré-crit. Non, on va attaquer. Ils peuvent pas saigner, mais bon. Voilà, le crit. Pas sur la bonne personne, mais c'est pas très grave. Voilà, boostons encore. Allez, t'esquive. Ça fait mal, ça, par contre, le petit 8, là. Ok. Ça aurait pu être pire, parce qu'on a une esquive assez haute, tout de même. Allez, c'est toujours ça qu'on n'aura pas à manger. Il a un HP, ouais, ok. Il a un HP, on va se focus, on ne peut pas. On va le stun. Reculer un petit peu. On va terminer celui-là avec Ojogern. Maintenant qu'elle est à l'abri, elle va peut-être pouvoir profiter un peu plus des soins de Mia avant de revenir dans la mêlée. J'ai pas trop envie, mais bon. Wouh! Nous avons deux plongeurs. Hop là. La clé. La clé. J'aurais dû l'ouvrir avec Mia. C'est pas grave. Bon. Pas besoin de se soigner tout de suite. On n'a pas de combat là. Donc avançons. On le fera. Voilà. Voilà. Exactement. Si la fin proc. Bon, ça c'est du 1 sur Sacha. C'est pas ouf. Mais bon. Mia. Wouh. Excellent. On supplies, yeah. Les supplies. Bon, on va être tranquille, hein. Il y aura que ce combat-là. On pourra même faire ça pour cheat. Mais on n'est pas du genre à cheat, mais on fait les combats. Puis il faut gagner des sous. On a plus rien. On est dans le décès financier. Un obstacle. Donc dans tous les cas, il y aura un obstacle pour ici. Je suis là. Mangeons. Tac, tac. Hop, hop. Ouais, c'est vrai qu'eux, ils ont rééchangé de place, du coup. C'était la formation de base. Hop. Donc, deux combats. Faisons-les. On n'est pas des chichettes. Puis ça va, c'est des humains. On a beaucoup de... Enfin, on a des saignements avec Eiki qui pourront être ramenés. Il fait nuit. Allez, on recommence à installer... Le petit setup d'esquive. Si elle pouvait saigner. Excellent. Excellent. Hop. La foudre. Ouah, du 4. Ouah, du 4. Ça va. Oui. Je sais pas... Un petit coup de coude, là? Ouais. Excellent. Pouf! Maintain the offensive. Elle est morte. Donc on peut faire ça. Le décès. Le stun. Voilà. Et là, on peut mettre la max. On peut heal tranquillou. Légèrement, mais heal tranquillou. On peut pas restun, mais on va essayer quand même. Ça va augmenter son esquive si elle est prise pour cible. Voilà, le même setup que tout à l'heure. Ah oui, il saigne lui. Et voilà. Tac. Et donc, Sacha va pouvoir plonger. Voilà. Avec sa petite dague. Oui! Ça, on l'a déjà. Ça, tu...
Le groove de l'ancêtre. T'as pourri le groove de l'ancêtre. C'est tu wouh wouh. Ah, c'est bugué, mais c'est drôle. Bon, bref. Mangeons, on vient de gagner de la bouffe en plus. Le son, des fois, comme ça, ouais. Le jeu, des fois, il fait ça. Et aujourd'hui, il nous a permis d'avoir un petit bug rigolo. Pourquoi c'est rouge, là? Je sais plus ce que c'est, le rouge. Attends! Bataille. Bataille! Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'item. Non! Oh no, j'ai cliqué trop vite. J'ai cliqué trop vite. Bon, là, on a quoi? On a 1600... Ouais. Presque 2000 gold. Surtout si on vend les trucs. C'est pas excellent. Espérons qu'on va avoir un meilleur loot, là. Ok, pas de trucs chiants. Surprise! Surprise! C'est y part. C'est parti. Voilà! Exactement. Exactement. Mon plus beau manteau. Bon, par contre, il est un peu déchiré et recouvert de boue. Mais c'est pas grave. Hein. Et j'ai permis Mia en arrière. C'est pas grave. Et qui peut pas. Et qui peut pas, du coup. Mais il peut faire ça. Petit assassinat. Ah. Succès déverrouillé. Les monstres doivent être repoussés. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai eu un succès. Le châtiment. Voilà. Ah, si j'avais le solo, ça serait parfait, ça. Parce que là, je repartirais dans l'autre sens. Mais je n'ai pas le solo. Ouais, calme-toi. Là, je le joue double champ parce que j'ai l'habitude de le jouer en support, mais quand je le jouerai plus en DPS, je virerai les champs. Écoute là. Comme ça, on va avoir un bon petit double kill, là. Oh, c'était pas le bon coup, mais les dégâts de ce truc, par contre. Les deux plongeurs. Les trois plongeurs, eh oui. Moi d'abord, ils se poussent pour kill les trucs. Il est à moi, celui-là. Ça compte quand même que pour là. Alors, bon, il y a un item, là, on va essayer de le chercher. Hein. De toute façon, il n'y a plus aucun monstre dans cette zone. Oh, c'est ça. Oh. Allons voir dans la pièce tout de même. Eh bien, rien. Sortons. Sortons, célébrons. Ah oui, on a eu ça, du coup. Plus 30 probas de saignement pour Nels. On n'utilise pas vraiment son truc qui fait saigner encore, mais bon. Ah oui, plus sa récompense, donc 6000. Pas trop mal. Bon, suivant, hein. Nous avons une Mia malade. Mia niveau 3, yeah! Personne n'est passé 3, comme je l'espérais. Mia est niveau 3. GG. Donc, la courante. Ah, la chaude pisse, comme on dit. Boulimique. Elle se soit moins au camp. Donc, c'est pénible. De toute façon, c'est des maladies. Les maladies, on les laisse jamais, bien sûr. Sauf éventuellement la rage qui fait qu'on fait plus mal, mais qu'on a moins de précision. Les ténèbres s'élèvent. Le désespoir et l'indécision semblent flotter dans l'air. Beaucoup d'aventuriers avouent souffrir de troubles de tempérament. Et ce, malgré la sécurité du hameau. Moins de probas de vertu, la prochaine quête. Ok, donc, ambiance de merde. Voyez voir. Oh là là! Beaucoup de trucs hors de mes moyens. Par exemple, le fait d'acheter une nouvelle souris. Si, voilà. Pierre d'esquive. Ah, c'est pas mal, ça. Hein. Oh! Oh, pour antiquaire! Ah oui. Une idole de rhinocéros. Foulard de furie. Ok. Ouais, d'accord, ouais, c'est pour... ouais, d'accord. C'est pour arbalétrier dégâts et non pas... qui ne peut pas heal. Ça, on l'a déjà vu plein de fois. Ça, c'est pas mal. Ok. Un healer. Oui! J'étais en train de me plaindre, mais non! Woodville! Oh. One must know it. Know it. Bon, Woodville.
C'est mignon, hein, mais Woodville. Woodville, tu ne serviras qu'à monter ces gens niveau 3. Parce qu'il faut arrêter de faire des healers à l'infini. Est-ce que Messia A, il y a encore sa deuxième maladie? Non. Excellent. On a 8000 de thunes, et on a encore des gens stressés. Qu'il va falloir gérer, tout simplement, surtout Messia A. Est-ce qu'il peut... Qu'est-ce qu'il est limité à quelque chose? Non. Donc... Bois. Oh, c'est cher! Mais je peux vendre, de toute façon, je peux vendre des trucs, là. Ah oui, j'ai ça. Je les ai pas remis dans l'ordre. Hop. Donc, le truc de la furie, j'en ai deux. On vend. Le casque, j'en ai deux. On vend. C'est tout, je crois. Oui, c'est tout. Donc, on est remonté à 9000. Docteur Litchi. Boire. Ne peut pas. Car. Interdit de maison close, ok. Ne peut que méditer. Ça va me coûter cher. Ok. Pourquoi c'est si cher? Parce que c'est peut-être des gens plus haut level. Sérieux FK, hein. Pidoc. Bon, les autres, ça va. Est-ce qu'on a le temps pour repartir? Partir où? Partir un jour? On n'a pas grand-chose, là. C'est un peu la misère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, le bonus de... Ok. Le malus, plutôt. Il y a un truc vert, là. C'est que pour les apprentis. Donc... Je pourrais faire n'importe quoi et ramener ces deux-là, les plongeurs, Caro et Woodville. Est-ce qu'on se fait ça? Allez! J'ai envie de faire n'importe quoi. Ah, mais là, qui est la frontline? Mais c'est n'importe... Mais non, mais... Oh, mais... Ça n'a plus aucun sens. On n'a pas de frontline. Solo! Ouais, le solo, on va le faire. Non. Le final, finale. Virer le plongeon peut-être? Bah non, j'ai pas l'autre truc. Ah mais le stress heal. Glastrat, ça serait en gros. Attendez, hein. Ah, car on voit le poison. Mais elle a pas le double truc, ni le truc pour reculer. Non, elle a pas l'avancée. Une Caro peut rester en tireuse derrière. Sans bouger. C'est eux deux qui vont échanger leur place. Donc faudrait plus que je fasse Gatling, en fait. Plutôt que jouer avec le solo. Ça, je pourrais pas les lancer de devant. Il me faudrait ça, en fait. Ou jouer full Gatling. Genre, tchou, 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 ils échangent de place. Et ça, si je suis trop loin. Et donc éventuellement ça, si je suis trop loin. Parce que le solo, le final, ça me remet tout là-bas. Et si je veux jouer Gatling, c'est pas possible. Est-ce qu'elle peut faire ça de... Ah non, c'est 3. Ah oh, zut. Donc c'est une Gatling un peu moisie quand même. Mais je peux le faire au premier tour. Genre je la mets là. Comme ça, premier tour, elle plonge. Elle est devant, et après elle stun et elle tire de la deuxième position. On va faire ça. C'est un combo, c'est assez particulier, hein. Je garantis pas que ça marche, mais on a un healer. Est-ce qu'il a le heal? Oui. Est-ce qu'il a le pire kit du monde? Oui aussi. Il a pas, même pas de coup de poignard. Il va se concentrer sur le heal. Ok? On est d'accord. C'est parti, j'ai absolument pas confiance, mais c'est pas grave, pareil, moult bouffe. Quoique moi, on a un healer. Des torches. Voilà, on a 5000 gold, on arrive à économiser. Maintenant, tout dépend de l'ordre de tour de tous ces gens. Mais allons-y. Deuxième donjon, la futée. En plus, ça va XP la futée, pour si possible. Comment dire, level up. Les personnages, tout comme le donjon,
car ce donjon doit level up aussi pour nous donner accès à la sorcière, sorcière niveau 2. C'est y part. Et j'ai pas relancé le jeu, alors là le son va bugger. Préparez-vous. Ouais. Bon, c'est Nawak, hein. On a une frontline à 19 HP. C'est très drôle. C'est très drôle. 100% des combats de pièces, on est parti. La bouffe. Ouais, c'est gratos, on prend. 10 po. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ok. N'ayez crainte, ça va fonctionner. Donc là, ça, ça baisse la précision. On peut faire ça d'abord. Puisque l'autre va plonger, voilà. Voilà. De là, Caro est en place pour tirer à foison. On peut pull. Lui? Non, on peut pas. Donc Caro est en position de tir. On va empoisonner les salauds là, si on peut. 60%. On tente. Ha! Par contre, il peut se faire plus machin. Excellent, parce que c'est tous ceux-là ont beaucoup d'esquive de base. Voilà! C'est ça! Ok. Donc de là, elle ne peut rien faire si ce n'est... ça. Oh, ma souris, j'avais pas vu. Allez, on retente. Allez, elle est à moins 40, là. Il faut commencer à tirer sur lui aussi. Voilà, les petites tentacules. Voilà, les petits crits. Petit coup de surin. Aïe. Mais nous avons un healer. La stratégie prend place. Bon, il est très rapide, hein. Allez, eux, ils ont de la prod, c'est pénible. De là. Je peux re-stun en reculant. Et replonger après. C'est une Gatling un peu moisie, mais... vous allez voir. Vous allez comprendre. Voilà. Pas de saignement, bien sûr. Parce que nous sommes avec des hommes, des gens de qualité. Esquive ! Wouhouhou ! Eh oui ! Tout est écrit. Lame des cartes. Hop. Bon, ça va être long et chiant, j'espère... oh, les renforts, il faut penser. Vulnérabilité, sur lui. La géométrie s'empare de toi. Voilà. 5 HP, j'aimerais... oh là là, oui! Oh oui! Sublime. Esquive. Je vois l'avenir. Admirez mes pouvoirs de prophète. Oui, je suis le nouveau messie. Waouh! Lépreux, plus de prêts, plus de crit, plus de stress. C'est pas mal. Mais on n'a pas besoin sur Messiah Eye qui est godlike sur la précision. Bon. Très mobile, hein, on voit que... puis l'esquive surtout. On n'a même pas besoin de se buff en esquive. J'ai l'impression que quand on se buff en esquive, on a plus de chances de se faire toucher au final. Tout le monde est full life. Bah ouais, parce qu'on a quasiment pas été touché. Après, c'était les gros pâteaux, là. Ceux qui, j'imagine, n'ont pas tant de précision de base. Moult humain. Donc ça saigne. On va déjà affaiblir les rangs. Du stress. Oh, j'aurais bien aimé que tu crèves. La gueule ouverte, ici. Voilà. On a réparti les dégâts un peu comme des cochons, mais c'est pas grave. Esquive. Ah. Du saignement, ce n'est pas grave. Nous avons... un healer. Ah oui, il est derrière de base, c'est vrai. Oh, oh, les dégâts de ce truc. Les esquives, dans tous les sens. Déjouer le rond, c'est une école de cirque. Avec Monsieur Loyal derrière.
ça fait pas de dégâts, donc lui, il faut le tuer autrement. Je crois que le stun le fait avancer, non? Non, c'est pas ce stun-là. C'est pas grave. Ouais. Non. Non. J'aurais pu marquer, ils ont pas de prod du tout. À chaque fois, je pense qu'ils ont de la prod, mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. L'autre ne va pas attaquer, mais il a un HP. Faut que je trouve un moyen de le tuer. Elle, faut qu'on la termine. Ah bah la pioche, voilà. C'est un bon moyen pour le tuer. Oh, elle joue avant. Amusant. Ouais, et comme ça, Iki termine. Et je crois qu'il est moins rapide. Il est moins rapide. Mais il esquive. C'est formidable. C'est complètement cheaté. Mais c'est formidable. Et on gagne tout un tas de trucs. Une tente. Une carte. Une carte qui ne proc pas parce que l'autre parle. Ah d'accord, une carte qui n'existe pas donc. Eh ben, comme on dirait dans le jargon, j'irai me faire foutre. Nous n'avons pas Mia cette fois-ci. Allez. Oh, attention quand même. Si j'avais une carte, j'aurais pu le voir ça. Une malle abandonnée, on a des clés, je sais plus si ça s'ouvre avec une clé ce truc là. Eh, sans PO, mangeons. Qu'est-ce qu'on branle? On a plein de bouffe. Hein? J'ai envie de vous le dire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Regardez toute la nourriture qu'on a. Nous avons un double steakhouse Burger King. Cette vidéo est bien évidemment sponsorisée par Burger King et leur délicieux steak. Repérage. Je suis content de ma carte en tout cas. 100% des combats de pièces. Il y a un obstacle dans les deux trucs là. On va pas s'emmerder. Gagnons du temps. Un piège, on le sait. Non, c'était l'autre qui était stressé. J'aurais dû agir en conséquence. Allez, carreau. Des legs. Toujours bon à prendre. On a besoin des legs pour améliorer le hameau, le Hamlet. Non pas celui de Shakespeare, bien évidemment, pour les plus cultivés d'entre vous. Oh là, ça c'est chiant, parce que eux, ils vont marquer. Je vous les montre du doigt, je suis complètement con. Les rouges vont marquer. Il faut très vite éliminer les rouges. Ils sont surpris, donc on a un tour. Mais il faut s'en débarrasser expressément. Oh non! J'ai fait exprès parce que l'équivalent de Sumtek va faire ça. Voilà. Il en reste un. Qui va jouer? Donc on risque de prendre cher. Ah non, il joue avant. Cool. Il joue avant de... Parce qu'après... Ah bon. Bon là, la marque risque de faire mal. Attention. Wouhou! Rock and roll! Excellent! Sublime! Allez, rentrez! Rentrez dans le... Je ne sais pas, le... La souche qu'est votre maison. Vous habitez dans des vannes. Hop. Excellent. Ce qui se passe est formidable. Hein. Pff, voilà. Mais il est encore marqué, donc les dégâts vont arriver maintenant. Absolument. Regardez. C'est une danse. C'est une valse, ce qui se passe. Il ne manque que la musique. Il ne manque que les violons et les pianos. C'est une valse. Nous dansons avec leur petit corps. La pioche dans la face. On pourrait le stun d'ailleurs et gagner un tour. On pourrait le marquer. Histoire qu'il ait, je ne sais plus, moins... Ah bah ben non, c'est pas marqué. Intouchable le Iki, hein. Y a que quand il veut bien qu'il se laisse toucher, hein. C'est terrible. Clin d'œil, clin d'œil. Bah pioche. Bon, eux sont tanky, hein, ça reste pénible. Même pas besoin, hein, on va refaire ça. Ça sert à rien, mais c'est terminé, en fait. Qui a besoin de healer quand on a des gens autant habiles de leur jeu de jambes? Puis encore ça! On l'a déjà! C'est terminé! C'est terminé!
J'ai juste envie d'aller voir, au cas où il y a des trésors, il y a un petit combat. J'ai envie de voir, enfin... Pourquoi ne pas y aller? On est super en forme. Oh! Alors non! Vous jamais! La plongée, on l'avait dit, hein. Voilà! Ce truc est vraiment trop bien. C'est dangereux, mais c'est trop bien. Ils peuvent pas saigner, hein. Et non. J'ai dit ça sur le ton, genre, j'ai fait une bêtise, hein. Oui. Alors, Caro ne peut pas plonger comme l'a fait sa confrère, mais Caro peut... Oh non! Zut, parce que les marqués, ils prennent plus de dégâts sur la dague simple lancée, mais il était en première position. Dans ma tête, le plan était parfait, je marquais celui-là et je le lançais, mais voilà. Ça aurait été plus parfait si je connaissais le jeu. Hop, décède. Donc là, on peut rien faire d'autre que le stun, si ça marche. Ça marche. On va pouvoir heal Caro. J'ai rien dit. Mais on peut la heal quand même, on a plein de bouffe. Mais de toute façon, elle va revenir full life. Donc revendons la nourriture. On a une pelle. Voilà, nous avons des pillards... Enfin, c'est pillard, mais c'était... en anglais, c'est grave robber, donc pilleuse de tombe, tout simplement. Donc ça me paraissait normal. On va aller là et s'en aller. Une très belle opération. Rentrons. Voilà, c'était magnifique, hein. On a encore le sifflet, on a beaucoup de trucs en double qu'on va pouvoir jeter. Ouais. Hop, j'ai pas vu combien on avait gagné, mais... Sacha et Aiki atteignent le Graal du niveau 3, il ne manque plus que Caro, encore derrière, qui a deux niveaux à passer. Mais qu'on fera bien sûr. Ça c'est chiant, faudra lui enlever. Ok. Plus que Caro, maintenant, à la traîne, parce que bon, voilà, elle est passée quelques semaines dans le Royaume des Morts. Non ! C'est sérieux, cette histoire ? Monsieur Rai, bourré, perd son brassard. Le plus 15% de dégâts. Monsieur Rai, vraiment ? Mais non! C'est sérieux, cette histoire! Putain! Je suis tellement deck! Bah, c'est ça, en gros. En gros, c'était ça, sans les trucs d'esquive. Oh là là! Alors là, je suis pas content, là. On peut perdre les breloques comme ça? Enfin, faut les déséquiper tout le temps. Ah, je me suis fait vomir dessus. Je suis pas content. Bon, vendons ça, Osef. Ça, on l'a en double. Oui, Osef. Le sifflet, on l'a en double. Osef. 15 000. Mais Sirai est encore, voilà. On va le déstresser. Ne perds pas ton bracelet. C'est genre là, il parie sa breloque. Nel, c'est malade. C'est vrai, ça? On se met pas. Bon, on va soigner Nels tout de suite. Quel horrible... horrible gérant de troupes je fais. Ok. Plutôt propre. Il y avait quoi là-dedans? On s'en moque, mais... Une fausse carreau. Ah non, il y a autre gérant aussi. Qui a encore deux. Bon voilà, il manquera plus qu'un luron pour les accompagner. On fera ça. Qu'est-ce qu'on fera dans le prochain épisode? Excellente question. La futaie est 4. Ça y est! Ça y est, la futaie est 4! Un saut de martyr très rare. Ah oui, c'est ce fameux truc. Ouais, c'est pas ouf, hein. Mais au moins, nous avons accès, enfin, à la sorcière rang 2. On a réussi. Il restera un combat à faire ici aussi. Bah, je pense qu'on se fera la sorcière rang 2, prochain épisode. Si je perds pas l'épisode comme un sac, bien sûr. Je sais pas qui on emmènera, je me souviens plus. Honnêtement, qu'il faut emmener contre la sorcière. On n'aura pas Nels. On verra. On verra qui j'emmène. En tout cas, c'est la fin de cet épisode, un double épisode au final. Je vous rentre à la gueule. Désolé, hein, bien sûr, ce n'est que de l'amour. On se retrouve dans le prochain. J'espère que ça vous a plu. Et nous affronterons... Oh, j'ai du mal. Nous affronterons la sorcière, voilà. Des bisous.
Salut, bonsoir.